Salut, c'est MegaDriver16 sur le jeu Star Wars Battlefront. Aujourd'hui, une petite mission avec en particulier une bataille. Une bataille, la dernière que je ne vous ai pas proposée puisqu'on a fait bataille des héros, en tout cas tout ce qui a été filmé. Bataille des héros sur Hoth avec Luke, la bataille de Tatooine sur Endor, sans héros. Que je vous avais proposé et que j'avais perdu d'ailleurs. La bataille, non sur Tatooine, oui. Sur Endor, c'était bataille avec héros et j'avais gagné avec Dark Vador. Et là, je vais vous proposer la bataille sur Sulust sans héros, hein, pour continuer l'alternance. Et donc, maintenant, c'est clair, hein, je l'ai bien vu et probablement que vous avez pu le constater aussi, le niveau de difficulté n'est vraiment pas le même, hein, entre quand on a un héros dans l'équipe, où là, c'est très facile, on termine souvent à des 100 héros ou 100 à 20, ce genre de choses, mais sans quasiment de challenge, alors que bataille sans héros, que des soldats lambda, que ce soit de l'Empire ou des rebelles, eh bien, c'est beaucoup plus dur, hein. C'est beaucoup plus dur, pour preuve j'avais perdu celle avec sur Tatooine, celle que j'avais faite en off sur la planète Hoth. Ça avait été très dur aussi, même si je l'avais emporté, même si j'ai également remporté après sur Tatooine une autre bataille que j'avais faite en off. Et là, je vais essayer de vous proposer une victoire, je l'espère bien. Alors, j'avais dit que je changerais peut-être un peu les blasters. Alors, on a quoi? Dégâts, ouais, moyens, portée, puissance de refroidissement. Les dégâts sont un peu mieux sur celui-là. Hein. Qu'est-ce qui baisse par contre? C'est la portée. Ah oui, c'est la portée qui est moyenne. Là, la portée est pas mal. Ah, il est pas mal celui-là, le RT-97. Ah, je l'aime bien, tiens. L'autre, c'était quoi? DLT-19 de base. Et là, on va prendre un RT-97C. Oula, alors celui-là, dégâts énormes, mais tout le reste est faible. Là, c'est assez bien équilibré aussi. La puissance de refroidissement un petit peu faible. Ah, bien équilibré aussi, celui-là, j'aime bien. Celui-là aussi. Ah, finalement, celui-là me tente bien. Ça a l'air d'être un bon compromis. Donc, on va prendre la 280C, fusil blaster. Et on va aller regarder au niveau du pack. On peut avoir réacteur dorsal, ça c'est dans les deux cas. Tir concentré ou cryocellule. D'accord. Et en dernier, c'est canon à impulsion ou grenade à impact. D'accord. Allez, on va prendre le pack du mercenaire et commencer tout de suite cette bataille où j'espère pouvoir vous proposer une victoire avec les rebelles face à l'Empire. Attaquer et triompher des impériaux. C'est qui ça? C'est eux. Déjà, on pourrait tester cette grenade là. Bien. Est-ce qu'ils sont encore là-haut? Non, il n'y en a plus là-haut. Si. Peut-être qu'on pourrait en avoir avec ça, là. Oui, j'en vois, là. Enfin, je vois du rouge. Ils sont en face de moi, mais je les vois pas, là, hein, je vous avoue. Allez, voilà. On va aller vite chercher son
son petit jeton. Ça, c'est un copain là-bas, un copain rebelle. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a quelque chose à aller chercher. Comment on y monte? Oh, attention. Une canarde à la tourelle, lui, hein, ça y va. Allez, essayons de récupérer. Son jeton, puis d'aller voir, voilà, le bonus qu'il y avait ici. En plus, il y a un jeton ennemi, tiens. Imploseur thermique. Alors, dès qu'on va en trouver, on va mettre l'imploseur thermique. Je sais pas trop m'en servir, donc ça se trouve, je vais faire n'importe quoi. Tiens, là, le voilà, lui. Oui, ça lui a fait mal, on dirait. Ou alors, c'est un de mes coéquipiers qu'il a eu. Pour le moment, on mène 16 à 2, c'est pas mal. On va sortir un petit peu de ce grand hangar. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien. D'accord. J'ai deux rebelles qui me suivent. Ben là, le voyant est rouge, donc ça doit être fermé aussi. Ok, donc c'est vraiment pour se planquer ou alors pour changer de niveau. Là, il y a du monde, hein, qui nous attend a priori. Ah oui, et voilà. Ah oui, d'accord. Stormtrooper volcanique qui m'a tué. On est à 22 à 2. Pour le moment, c'est pas mal, hein. Où est-ce qu'ils sont? Là, je me suis fait cibler. Oh là là, oh là 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 là. Celui-là, on l'a eu, c'est bien. Par contre, il me restait plus beaucoup de vie. Ouais, ouais, attends, laisse-moi passer, s'il te plaît. On va se planquer un petit peu. Attention, il y en a là. Ah oui. Ah, il est pas mort, lui. Par contre, maintenant, c'est fait. Attention. Là, il fait noir. Il fait bien noir ici. On est dans la salle des machines ou je ne sais quoi. En tout cas, on a pu récupérer notre vie. Attendons-les tranquillement. Tiens, en voilà un là-bas. Donne-nous ton petit jeton. Ça, c'est un jeton ami, donc on va le garder. Tiens, mais lui, avec son bazooka, là. Si on pouvait aller récupérer. On est pas mal. Tiens, là, il y a une... Il y a un nouveau truc. Tiens, je vais pas essayer de maintenir le truc cryogénique, là. Ça a fait quoi? Ça a pas fait grand-chose, on dirait. Il est où? Ah merde! Essayons de nous planquer. Deux secondes. Oh, qu'est-ce que je fais alors que j'avais un jeton à récupérer là? Bravo! Bravo l'artiste! C'est du n'importe quoi! Là, il n'y a personne. Tiens, par contre, si on prend ça, ils sont là. Ah, je crois qu'on l'a eu, là. On va aller voir un petit peu. C'est là-haut. Ah, sauf que là, je me fais canarder. Ah oui, je l'avais pas vu, du Stormtrooper volcanique, encore une fois. Ce qui nous fait du 47 à 19. Pour le moment, on est bien parti. On va essayer d'être un petit peu tactique. Je ne vois plus, par contre, mes coéquipiers, hein.
Si on se fait tirer dessus. Ah, il est là-haut. Il est là-haut, le canaillou. Là. Tiens, voilà un coéquipier. Une coéquipière, non? Ne faiblissez pas. Vous êtes à mi-chemin de la victoire. Ah mince, j'ai lancé sans faire exprès. Oh, un artilleur Stormtrooper qui m'a eu à coup de bazooka. On est à 53-26. Aïe, 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 aïe. Il s'est fait canarder, il est où? Je peux me mettre une tourette si je veux. L'autre est né comme ça, tranquillou, derrière moi. Ah voilà, une coéquipière rebelle, très bien. Ah mais non, juste au moment où j'allais récupérer le jeton. Et ils étaient plusieurs à attendre, hein, effectivement. 55 à 35. Attention, rien n'est fait là, effectivement. Ok. Un copain rebelle, tiens là-bas. Ah bah la grenade, c'est pas la peine, elle est trop courte distance. Et pousse-toi! Allez, un jeton, ça ferait pas de mal parce que ça fait un petit moment qu'on est bloqué là. Il y a un nouveau jeton ici. Manquons-nous un petit peu. Il y en a partout, hein, des ennemis. Là, tiens, un diamant. Ça, ça fait pas de mal. C'est que pour le scoring, hein, je pense. Récoltez-les tous. Ah, aïe, 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 aïe. Va se baisser un peu. Tiens, il y en a un autre là-bas. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Le cryogénique là, ça sert à qui et quand? 72, là on est bien, surtout que là j'en récolte plein. Voilà, c'est. Oui, c'est l'orgie ici, l'orgie des jetons. Très impressionnant. Merci. Le cryogénique là. Ça sert à quoi? Allez, je manie pas bien ce truc cryogénique. Hein. Apparemment, faut maintenir le Y, mais ça fait quoi? Au bout du compte. Si je me mettais une tourelle, non, il y en a une ici dans le coin, ça sert pas à grand chose. Il est juste en dessous là. Bravo. 86 à 69, on est quand même pas mal. On est pas mal pour envisager une victoire. Ça, c'est pas la bonne sortie. Salut copain rebelle. Mais là, ils sont partout. Hein. Là, il y a du rouge. Hey, mais il est là, qu'est-ce qui se passe ici là? Qui est en train de nous tirer dessus? Bon là il y a des jetons qu'on va pouvoir récupérer qui vont peut-être sonner la fin de. Très impressionnant. Continuez comme ça. Ah là je pense que c'est bon. Regardez, on prend ces on derniers a de la jetons. Chance de vous avoir. Et notre équipe rebelle qui s'est imposée sur cette bataille, même si le résultat, hein, c'est quand même bien plus compliqué, comme on a pu le constater, que sur les batailles avec héros. Hein. C'est que confirmé, mais bon, là, c'est passé. 100 points, ennemi vaincu, 42, tir en pleine tête, 10. Vie utilisée, 6, hein, quand même. Bon, voilà. On va remporter une petite étoile, effectivement, sur le coup. Et ça met fin
à cette vidéo sur la bataille de Sulluste. À plus tard.